Bienvenue à Sans mon parapluie. Aujourd'hui, je vais parler sur le sujet de Mary Cassatt, une artiste impressionniste et une des seules femmes dans ce mouvement. Mary Cassatt est née en 1844. Elle est née en Amérique, mais elle a étudié en France. Elle a commencé ses études à l'Académie des Beaux-Arts en Pennsylvanie. Sa famille a protesté son choix de devenir une artiste professionnelle. Et elle a quitté l'Académie parce qu'elle a détesté l'attitude des profs aux femmes. Elle a commencé par copier les tableaux des vieux maîtres en 1872, son tableau The Mandolin Player est accepté au Salon de Paris, une exhibition de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. En fait, elle était la première femme de montrer une pièce d'art là. Plus tard, elle a rejoint le groupe des impressionnistes. Son ami Degas l'a invitée. Elle était la seule américaine associée officiellement avec ce groupe. Elle a peint les compositeurs dans sa carrière. La famille, l'opéra et le théâtre étaient son sujet préféré. Mais plus tard, elle a représenté la féminité et la maternité. À la fin de sa carrière, elle a commencé à faire des impressions. Elle était inspirée par l'art japonais. Vers 1904, elle a arrêté à peindre parce que elle a perdu la vue. Je pense que mon peinture préférée de Mary Cassatt, c'est In the Loge. Parce que c'est intime. Elle tire le rideau un peu de la monde du théâtre et de l'opéra parce que on peut voir les personnes dans le boîte. C'est un peu différent, c'est pas normal et c'est pas comme la vie réelle. Les gens dans le public devraient regarder le spectacle, mais les gens dans la peinture nue et l'homme ne regardent pas le spectacle, on regarde cette femme. Et dans ce peinture, Mary Cassatt exposait comment on fait des spectacles pour les autres. Et la vie, c'est un peu comme le théâtre. Et ça, je pense, c'est intéressant, c'est un peu différent et c'est intime, vraiment, c'est cool. Une autre peinture de Mary Cassatt, c'est Little Girl in a Blue Armchair. C'est vraiment mignon, je trouve. Il y a quatre fauteuils. Et il y a une petite fille et son chien. Les couleurs sont très claires et c'est intime, oui. Et j'aime bien parce que elle est relaxée et elle n'est pas collectée. C'est intime comme ça. Et cette peinture, on peut voir que elle est inspirée par l'art japonais parce que les couleurs, la composition et l'encadrement, c'est vraiment, vraiment comme les pièces d'art japonais. Ces peintres étaient importants parce qu'elle a eu une perspective unique. Les autres impressionnistes étaient principalement les hommes. Donc, elle a donné un peu de la féminité au mouvement impressionniste et au monde des arts.